C'était un type vraiment curieux. Il avait l'air d'un vrai monsieur, avec ses mains pleines de paresse. Quand il levait sur vous les yeux, on sentait quelque chose d'heureux vous envelopper comme une caresse. Paraît qu'il avait fait dans le temps de grandes études, comme les savants. C'est comme ça qu'on perd sa jeunesse. La preuve, c'est qu'une fois devenu grand, il s'est fait prendre comme un enfant par une qui avait tellement de tendresse qu'elle en vendait pour quelques thunes sur le boulevard au clair de lune. Qu'elle en vendait pour quelques thunes sur le boulevard au clair de lune. Il était calme et silencieux. On sait pas qu'il était dédaigneux, c'était plutôt par politesse. Et puis au fond, dans ce milieu, quand on sait pas les règles du jeu, on fait parfois des maladresses. Et quand sa femme, elle travaillait, peut-être par honte, ou bien, qui sait, par un excès de délicatesse. Il descendait le long des quais, et toute la nuit, il regardait, avec un regard plein de tristesse. Sur la scène brillaient comme des thunes les réverbères et le clair de lune. Sur la scène brillaient comme des thunes les réverbères et le clair de lune. C'était un type vraiment curieux. Il aurait pu être très heureux, mais son cœur avait trop de faiblesse. Et quand on est trop amoureux, il faut jamais prendre au sérieux les femmes qui ont tellement de tendresse. Un jour, elle a dit, c'est fini. Il a rien fait, il a souri comme il souriait dans les caresses. Il a couru comme un qui fuit et dans la Seine sans un bruit en disant adieu ma jeunesse. Il a noyé son infortune au milieu d'un rayon de lune. Au milieu d'un